Salut, je vais vous parler du film Insaisissable 2, qui est donc la suite de l'excellent film Insaisissable, où l'on suit euh, l'aventure d'un groupe de magiciens, un peu en mode super-héros. C'est le premier truc que j'ai envie de dire en regardant ce, cette suite, tout simplement. C'est que là, vraiment, on sait encore plus la dimension euh, super-héros. On est dans un délire euh, un peu Marvel Avengers ce genre de choses mais euh, en plus original finalement et puis avec moins de, euh, moins de récupération de, de choses qui existaient déjà donc on peut dire bravo c'est innovant et ça fait penser au film de super-héros tout en étant euh, et bah très spécial et comme je le disais donc très innovant je vais faire un premier reproche, ça m'a énervé un petit peu au début, ils ont pas réussi à faire signer la petite actrice qui jouait la, la magicienne dans le premier film donc du coup bah, ils nous la remplacent, ils nous la changent par une autre, alors déjà on perd du temps avec ça pour raconter pourquoi elle est partie euh, euh, la magicienne, et pourquoi on en recrute une autre, c'est dommage, franchement, elle était formidable la première, et là elle nous la remplace par une, euh, une sorte de, de fille qui pourrait faire du stand-up, qui a la tchatch, un peu qui essaye d'être drôle tout le temps, une sorte de mélange entre Mila Kunis et Marion Cotillard, euh, que j'ai trouvé un petit peu foireux sur le, le début du film, et puis après elle s'adapte quand même à ce groupe de magiciens, et ça finit par être cool. Je vais même pas parler du scénario parce que le scénario est assez compliqué, c'est un des petits points faibles aussi de ce film, c'est un petit peu moins fluide. Qu'au niveau du premier. En gros, euh, nos amis les, les magiciens ont fait des choses dans le premier film et là ils vont subir une vengeance de la part de quelqu'un qui a été vexé euh, dans le premier film. Je ne peux pas en dire plus, hein. c'est très compliqué. Dans ce que je peux dire par contre, c'est que le pseudo méchant est joué euh, par Harry Potter, euh, Daniel Radcliffe, qui, qui fait rigoler. Ça, ça lui a bien euh, en fait de, de jouer ce rôle-là. Il joue le rôle euh, d'un peu d'un. Pervers narcissique, un peu paumé, et eh ben il est bon euh, pour ça. Euh, L'ex Harry Potter. Voilà, je m'arrête là pour les deux petits points un petit peu durs. Euh, donc euh, le fait qu'on n'ait pas réussi à faire resigner la même actrice que dans le premier film et le fait que le scénario soit un petit peu moins fluide et un petit peu plus tiré par les cheveux par rapport au premier qui était déjà lui-même un petit peu tiré par les cheveux. Donc ce que je trouve très satisfaisant dans ce film, c'est que là on se dit waouh c'est formidable, on est dans une franchise qui va euh, durer en tout cas. Moi je l'espère euh, personnellement Je trouve qu'il y a moyen de faire encore peut-être 2, 3, 4 films euh, Déclinés en, en série Vraiment peut-être Ces euh, super héros euh, magiciens Qui utilisent euh, la magie Pour, euh, bah, pour défendre euh, des causes C'était un petit peu le message du premier film C'est aussi le message du deuxième film Ils n'ont pas réussi à garder la petite actrice euh, Qui jouait dans le premier, ça m'énerve hein, J'arrête pas de le dire, mais ils ont réussi à faire euh, Jouer dedans encore euh, Morgan Freeman et Michael Caine Qui reprennent euh, bah, leur rôle euh, du, du premier film. Je ne vais pas en dire trop parce qu'il y aura des choses surprenantes sur l'un comme sur l'autre. Et puis vraiment ce que j'ai adoré dans le film c'est aussi le personnage de Mark Ruffalo qui est euh, encore plus travaillé dès le début du film, on va voir euh, un petit peu son enfance avec ce qui s'est passé avec son père, euh, il y aura d'autres flashbacks dans le film et on se dit voilà le mec c'est euh, le nouveau Bruce Wayne euh, quasiment, il n'a pas vraiment les pouvoirs du magicien mais il est très très fort et ça devient un, un super-héros presque incontournable et les autres autour sont euh, vraiment forts, je pense à à, à, je vais pas me tromper en disant le nom d'acteur, j'ai un peu du mal à le prononcer, Jess Eisenberg, un, un nom comme ça, donc euh, acteur que j'aime de, de plus en plus. Donc vraiment euh, bah voilà, super film, super suite je trouve par rapport à Insaisissable 1, même si bah voilà, c'est un petit peu moins fluide que le premier, c'est un petit peu moins surprenant, mais je pense que quand on va voir un numéro 2, eh bah, il, faut, euh, il faut accepter. Peut-être que je me suis un peu enflammé en disant waouh c'est génial, c'est impressionnant, alors euh, voilà, je vais pas en envie d'être le mec qui va vous dire c'est génial et puis quand vous allez le voir vous allez dire ouais ok donc c'est plutôt sympa c'est plutôt cool un petit mot euh, euh, de la technique techniquement euh, bah voilà les effets spéciaux sont euh, euh, je ne sais pas dire bons mais les effets spéciaux sont assez innovants assez bien foutus ça suit bien l'univers de la magie comme dans le premier film j'avais aussi aimé beaucoup dans le premier le fait qu'on soit à Las Vegas à New York à la Nouvelle-Orléans là on va être un petit peu à New York et puis on va être à Macao je crois en Chine et là je trouve que voilà, ça passe moins bien. Euh, bon après, c'est euh, peut-être que Macao est vraiment le, le vrai berceau de la magie, comme ils disent euh, dans le film. Mais euh, je préfère quand même les scènes du côté de New York. Insaisissable 2. Normalement, je devais aller le voir euh, en avant-première, euh, bien avant. Et euh, je n'ai pas fait attention. C'était grave, euh, complet, euh, depuis des semaines et des semaines. Donc, ça devrait marcher. Il y a une grosse attente sur ce film par rapport au premier qui avait été une sorte de... Petite surprise qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la langue. Donc, insaisissable 2, Oui, c'est dur à dire. Euh, bah voilà, c'est, ce n'est que le début tout ça, d'une longue histoire de magicien super-héros. En tout cas, c'est ce que j'espère. Voilà, salut.